Merci Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous venons te bénir et te rendre toute la gloire. Parce que depuis le lever du jour jusqu'à maintenant, tu nous as gardés et soutenus. Tu as permis que nous puissions voir le coucher du soleil en bonne santé. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Nous te prions de nous conduire, de nous diriger. Dispose nos cœurs, dispose nos pensées. Nous voulons ce soir être concentrés et connectés à toi. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, dispose nos cœurs, dispose notre esprit, nos mentalités, Seigneur. Même si nous sommes dans nos maisons, Seigneur, nous voulons cependant être concentré et connecté à toi. Parce que notre Père, tu es le Dieu véritable et vrai qui nous parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Merci Seigneur de ce que tu vas encore faire ce soir. Merci Seigneur pour la prophétie que tu vas libérer ce soir. Merci Seigneur pour les conseils que tu vas nous donner ce soir. Merci Seigneur pour la grâce, les grâces qui vont couler abondamment ce soir. Sois béni Seigneur. Sois exalté, nous voulons te magnifier, nous voulons te glorifier. Que toute la gloire et l'honneur et la puissance te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons ce matin, ce soir, saluer tout le monde, tous ceux qui nous regardent, qui sont connectés sur notre page YouTube. Soyez bénis, que le Seigneur vous visite abondamment. Nous sommes à notre 10 jours d'alliance et nous avons comme pour thème cette année, année des fruits abondants. Tout bon arbre porte de bons fruits. Il est tiré de Matthieu 7, verset 17. Nous allons de ce fait prendre un texte dans Jean chapitre 2. Les versets 1 à 11. Donc Jean chapitre 2, les versets 1 à 11, nous lisons. Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous bénissons la parole du Seigneur. Ah, c'est un merveilleux texte qui nous parle de beaucoup de choses, qui nous parle du premier miracle de Jésus-Christ aux noces de Cana. Jésus-Christ avait été invité aux noces. Donc, il y avait un monsieur, une dame qui se mariaient. Et je ne sais pas qui avait invité Jésus. Est-ce la femme ou l'homme? Je ne sais. Ou c'est la mère de Jésus qui était connue des futurs mariés ou des mariés et puis demanda à son fils
Jésus-Christ devenir, je ne sais. Mais ce qu'on sait, c'est que Jésus avait été invité. C'est ce que la Bible nous dit. Il avait été invité avec ses disciples. Et la mère de Jésus également y était. Et durant la cérémonie, le vin va en manquer. Il va se poser la question, comment faire pour que la soirée continue, pour que les gens continuent à boire? Parce que nous savons, lorsqu'on vient à une cérémonie, il y a le repas et la boisson. Et généralement, ce qui attire beaucoup plus les gens pour veiller jusqu'au matin, c'est la boisson. Mais or, là, il y a un problème qui se présente. Il n'y a plus de vin. Comment faire pour trouver du vin? Certainement, il faisait 24 heures, je ne sais. Peut-être c'était une heure, je ne sais. Ou deux heures, je ne sais. Mais ce que je sais, la Bible me dit que le vin vient à manquer. Mais comment remédier à cela? Nous bénissons le Seigneur qu'il y avait une femme qui était dans la salle. Et cette femme connaissait Jésus. Elle savait qu'est-ce que Jésus-Christ pouvait faire, de quoi était capable son fils Jésus. Nous rappelons que Jésus était parfaitement homme, parfaitement Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour les mamans. Vous savez, les mamans portent l'enfant dans le ventre pendant 9 mois. Et la maman est celle-là qui, pendant que l'enfant est dans le ventre, elle sent comment l'enfant se forme et parfois l'enfant commence à faire des coups dans le ventre. Le père ne sait pas, mais la mère ressent ça. Le père voit les coups de l'enfant quand il est déjà né, mais la mère ressent et voit. C'est-à-dire qu'elle ressent quand l'enfant est dans le ventre et elle voit quand l'enfant est né. Et généralement, les femmes ont ceci de particulier, c'est qu'elles plus ou moins connaissent un peu la destinée de leurs enfants. Nous avons le cas de Rebecca. Rebecca avec ses fils, Jacob et Isaü. La Bible dit que Dieu avait choisi Jacob. Et ça, la mère savait parce que Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait dit que le petit sera plus grand qu'eux, sinon le grand sera assujetti par le petit frère. Donc elle avait cette prophétie-là. Et pour ce qui est de Marie, Marie avait reçu la visitation de l'ange. Et l'ange l'avait dit qui était Jésus, ce qu'il devait accomplir. Et comme elle savait que Jésus pouvait changer l'eau en vin, elle alla voir son fils. Malgré que Jésus avait dit, femme, que me veux-tu? Mais elle a dit, Jésus, ils n'ont plus de vin, fais quelque chose. Nous sommes en 2024. Dieu, par la bouche de son serviteur, a décrété pour parole vivante cette année, année des fruits abondants. Nous voulons avoir et voir des fruits abondants se manifester dans nos vies, dans la vie de nos églises, de nos parents, etc. Nous devons comprendre une chose, que nous ne pouvons avoir des fruits abondants sans Jésus. Pour que nous puissions avoir des fruits abondants, nous devons inviter Jésus dans notre vie. Et c'est ce que ce couple-là avait fait. Jésus est la personne la plus importante qui soit. Quel que soit ce que nous devons faire, ou quel que soit où nous allons, quelles que soient les cérémonies, quel que soit ce que nous devons entreprendre, nous devons comprendre une chose. Sans Jésus, rien n'est possible. Sans Jésus, rien ne peut se réaliser. C'est pourquoi nous devons comprendre, nous devons mettre Jésus au centre. Il faut que Jésus soit le centre, parce que Jésus est la solution à tous les problèmes. Et Jésus, dans ce texte-là, on voit que Jésus devient la solution. Le vin vint à manquer, il n'y avait plus de solution. Qui pouvait trouver la solution? Ou qui avait la solution? C'est bien Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je vais te dire ce soir que si nous voulons avoir des fruits abondants, nous devons non seulement inviter Jésus dans notre vie, mais nous devons laisser Jésus le contrôle de nos vies. Amen. Amen. Jésus doit être le centre. Nous ne pouvons pas décider sans consulter Jésus. Notre ami David, lorsqu'il devait entreprendre une mission même de guerre, avant d'y aller, il posait la question à Dieu.
Est-ce que je peux m'y rendre? Lorsque le Seigneur répondait oui, il posait la question, est-ce que j'aurai la victoire? S'il n'avait pas la victoire, il ne partait pas. Donc nous devons avoir le top de Dieu. Nous devons avoir le signal de Dieu que ce que nous entreprenons, Dieu est dans le projet. Amen. Amen. Et lorsque la Marie a constaté cela, elle a demandé à Jésus de faire quelque chose. Et notre Seigneur Jésus ne se fait pas prier, il a fait ce qui était convenable de faire durant cet événement. Nous bénissons le Seigneur pour ce premier miracle de Jésus. Le vin nous parle de l'Esprit de Dieu. Le vin nous parle, c'est l'un des symboles du Saint-Esprit. Nous savons une chose, c'est que le vin rend joyeux. Le vin nous rend joyeux et nous fait oublier nos soucis. Le vin nous rend ivre. Le vin nous rend ivre. Et le vin prend progressivement le contrôle de notre personne. Et c'est la même chose qu'avec le Saint-Esprit. Lorsque nous invitons Jésus dans nos vies, nous devons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle dans nos vies. Le Saint-Esprit doit nous enivrer. On dit « enivrez-vous du Saint-Esprit ». Et que comme l'image que nous avons du vin qui prend possession de la personne, dont la personne oublie ses soucis, c'est la même image que nous devons avoir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit prendre, durant cette année, si nous voulons voir des fruits abondants, prendre le contrôle de nos vies, que nous soyons ivres du Saint-Esprit, que nous soyons ivres, afin que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. En cette année 2024, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement dit, celui ou celle qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit n'est pas fils de Dieu. Amen. Et lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, il nous conduit dans la voie sûre. Il nous conduit en toute sûreté. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Donc, frères et sœurs, durant cette année, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Comme l'image de ces personnes-là, laissons-nous enivrer par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, comme je disais, le vin nous rend joyeux. C'est-à-dire qu'on est enivré, on est content. Le Saint-Esprit aussi nous communique en nous la joie. Nous ne devons pas être contents du vin, nous devons être contents de la joie que procure le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enlève en nous les soucis. Comme le vin nous fait oublier les soucis, le Saint-Esprit enlève en nous également les soucis. Et les soucis ne reviennent plus. La particularité avec le vin, c'est que lorsque tu t'enivres, tu oublies tous tes problèmes. Tu oublies les soucis. Mais dès que le vin est parti, les soucis reviennent. Les soucis reviennent, les pensées reviennent. Or, quand le Saint-Esprit prend possession de toi, il t'amène à oublier le souci pour toute ta vie. En un mot, il résout les soucis. Il résout les problèmes qu'il trouve dans ta vie. Quand tu laisses le contrôle de ta vie au Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient résoudre les soucis de ta vie. Alléluia. Et même quand les problèmes sont là, le Saint-Esprit va te rassurer que malgré que les problèmes sont là, les problèmes vont partir un jour. Parce que entre les mains du Seigneur, on a la vie. Entre les mains du Seigneur, nous sommes sûrs et nos destinées sont entre les mains du Seigneur. Le Saint-Esprit peut nous laisser un moment passer par des épreuves, mais c'est parce qu'il veut nous enseigner. Il veut nous enseigner. Donc, les soucis, les problèmes, quand tu as le Saint-Esprit, sont parfois là, c'est pour un enseignement, une instruction. Et lorsque tu as compris l'instruction, les soucis disparaissent totalement. Contrairement au vin qui fait oublier après, quand le vin disparaît, les soucis reviennent. Qu'est-ce merveilleux d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Le vin donne de l'audace. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont le courage quand ils ont bu. Ils ont bu un verre, deux verres, ils ont le courage. Et la même chose, le Saint-Esprit nous donne l'audace de parler de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous donne l'audace de parler à Dieu. Le Saint-Esprit nous donne l'audace de prêcher la parole avec vie, avec onction. Et c'est la même chose qui s'est passée lors de la Pentecôte. Pierre qui avait renié Jésus devant une femme,
ce jour-là, lorsqu'il a été baptisé, il a été ivre du Saint-Esprit, il s'est mis debout, il a parlé à plusieurs personnes de Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit l'a donné le courage. Et le Saint-Esprit, cette année, doit nous donner le courage. Que le Saint-Esprit habite en nous, nous inonde, enfin de nous donner le courage, afin que nous puissions parler du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. La particularité du Saint-Esprit, c'est que la particularité du vin, c'est que le vin se bonifie. C'est-à-dire que le vin devient meilleur. Par exemple, pour la fabrication du vin de palme, lorsqu'on fabrique le vin de palme, au départ, il est sucré. Après, il se fermente. Et cette année, nous voulons être matures. La maturité. En fait, là, on parle de la maturité. Il faut que le Seigneur, il faut que cette année nous puissions atteindre la maturité spirituelle, la maturité dans tous les domaines, la maturité intellectuelle, la maturité physique, la maturité spirituelle, surtout la maturité spirituelle, parce que le reste dépend de la spiritualité. Oui, nous devons nous bonifier, c'est-à-dire que nous devons devenir meilleurs cette année. Là où nous n'étions pas meilleurs, nous devons exceller, nous devons être meilleurs dans tous les domaines, dans l'évangélisation, dans la prière, dans le jeûne, dans les chants, dans nos services respectifs, dans tout ce que nous faisons, nous devons être meilleurs. Et le Seigneur nous attend là, nous attend au large, nous devons nous surpasser, dépasser nos limites. Kore maya karaba shokorobo roko sandaraba kore maya ndaraba. Nous devons garder la vie de l'esprit. Et le coordinateur du mariage va dire que tu as gardé le bon vin pour la fin. Oui, l'image c'est que Dieu veut que nous puissions durant cette année garder le feu de l'esprit en nous. Nous devons garder le feu de l'esprit en nous. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les événements. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les problèmes, les situations qui se présentent. Nous devons garder le feu de l'esprit. Nous devons toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Parce que le Seigneur nous attend là-bas. Le Seigneur ne nous attend pas là, il nous attend au large. Nous devons nous surpasser, dépasser nos limites, nos imperfections. Nous devons garder le dépôt en nous, le dépôt du Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Oui, si nous voulons avoir cette année des fruits abondants dans tous les domaines de nos vies, nous devons garder le dépôt du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du réveil, le feu du réveil. Nous devons rien faire sans Jésus-Christ. Nous devons rien faire sans le Saint-Esprit. Quand tu te lèves le matin, tu dis, Saint-Esprit, je te recommande cette journée. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, parle-moi, enseigne-moi. Quand tu as envie d'entreprendre quelque chose, tu dis, Saint-Esprit, j'ai envie d'entreprendre telle chose. Est-ce que cela est agréable? Est-ce que je vais réussir dans ce projet? Alléluia. Et quand le Saint-Esprit dit tu vas réussir, tu vas réussir. Mais quand le Saint-Esprit dit non, ne pars pas, ne force pas. Mais nous voulons forcer les choses. Nous voulons faire les choses loin du Saint-Esprit, loin du Seigneur. Et je t'informe, mon frère, ma soeur, cette année, si nous voulons obtenir des résultats, nous voulons obtenir des résultats dans tout ce que nous faisons. Nous voulons avoir des fruits abondants cette année. Nous devons nous laisser modeler, façonner par le Saint-Esprit. Nous devons refléter l'image de Christ. Nous devons refléter le caractère de Christ. Nous devons vivre comme Christ. Car ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Dieu qui vit en nous par le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit vit en nous, il va nous amener à avoir des fruits abondants, à avoir du succès dans toutes nos entreprises. Nous ne devons pas cette année nous éloigner de la voie du Seigneur. Oui, on a gardé le bon vin. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, les autres ont gardé le bon vin.
Le vin qui est l'image du Saint-Esprit. Nous devons garder en nous le Saint-Esprit. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Certainement, l'année dernière, c'est un peu compliqué, c'est un peu chaud pour toi. Mais je te demande cette année, nous te demandons cette année, que nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Rechercher la face de Dieu en esprit, en vérité. Rallumer le feu de l'Esprit qui sommeille en nous. Le feu de l'Esprit qui le Saint-Esprit s'est attristé. Nous devons rallumer la flamme du feu du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Kore maya karaba shakaraba. Kore machandarama. Nous allons prier. Kore machaka. Nous allons dire, cette année, Saint-Esprit, cette année, Seigneur, nous t'invitons dans nos vies. Nous ne voulons plus rien faire sans toi. Nous ne voulons plus rien faire sans toi. Que tu demeures le centre de tous nos projets, de toutes nos planifications. Sois au centre de tout. Kore machandaraba. Comme au noce de Canaan t'avait invité, Seigneur, nous t'invitons toi parce que tu es celui qui tu es la solution à tous les problèmes. À tous les problèmes. Je veux mener une vie en paix durant cette année, être en paix, et pour que je sois en paix, tu dois être au centre de ma vie. Tu dois être au contrôle de ma vie. Ah Seigneur, notre Père, nous venons nous abaisser devant toi. Et nous reconnaissons, Seigneur, que durant l'année 2023, parfois nous avons fonctionné selon la chair. Nous avons fonctionné selon nos pensées. Nous avons fonctionné selon nos idées, selon nos conceptions. Et nous t'avons mis de côté. Oui, Seigneur, nous nous repentons de notre comportement déloyal, de notre attitude. Oui, Seigneur, nous nous repentons devant toi parce que nous reconnaissons que ce que nous avons entrepris, tu n'étais pas au centre. Et nous avons certainement échoué à cause de cela. Et cette année, tu nous demandes d'avoir des fruits abondants. C'est pourquoi je prie pour mon frère, ma soeur et pour moi-même que cette année tu sois au centre de nos vies. Comme on t'avait invité à Cana où tu avais opéré le premier miracle, nous voulons également t'inviter que tu prennes le siège et le contrôle de nos vies. Nous nous abaissons, nous nous effaçons et que toi seul tu te lèves. Tu te lèves et que tu prennes le contrôle au nom puissant de Jésus. Parce que nous savons que lorsque tu règnes dans une vie, cette vie n'échouera jamais. Il n'y en aura plus d'échec. Au nom de Jésus, les ténèbres disparaissent et la lumière jaillit. Et nous prions ce soir que les ténèbres disparaissent en nous et que ta lumière se manifeste. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens te manifester, viens te révéler au nom puissant de Jésus. Kore maraba shakaraba. Manifeste-toi, Seigneur. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle et règne, Seigneur. Prends le contrôle. Yendere bashaka. Nous voulons te connaître. Marie t'avait demandé de transformer l'eau en vin parce que Marie te connaissait. Nous voulons également te connaître. Oui, nous voulons vraiment te connaître. Comme Moïse avait dit, fais-moi voir ta gloire. Nous voulons, Seigneur, que tu nous fasses voir ta gloire. Oui, à Cana, par l'opération de ce miracle, les gens ont vu ta gloire. Ceux qui avaient vu le miracle, qui avaient connu que c'est toi qui avais transformé l'eau en vin, avaient connu ta gloire, avaient reconnu que là tu étais le Messie, ou tu es le Messie. Et nous voulons ce soir, durant cette année, connaître ta gloire. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans nos vies au nom de Jésus, dans nos familles au nom de Jésus. C'est pourquoi nous t'invitons, Seigneur, dans nos vies. Nous t'invitons dans nos familles, Seigneur, dans nos familles, Seigneur. Oui, tu vois nos familles incrédules. Oh, viens régner, Seigneur. Viens prendre possession de nos familles. Viens prendre possession de nos familles dans le nom de Jésus. Afin que les entités mystiques soient chassées de nos familles, soient chassées de nos familles au nom de Jésus. Les autels mystiques, nous détruisons. Au nom de Jésus, les pas qui ont été tissés dans nos familles, nous détruisons. Au nom de Jésus, les autels, nous renversons. Au nom de Jésus,
que les ténèbres disparaissent et que ta lumière se manifeste pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prends les rênes. Koreba yakaraba. Korewoche kerema. Prends les rênes de nos vies, Seigneur. Prends les rênes de nos familles. Que l'orgueil disparaisse dans nos familles. Au nom de Jésus. La désobéissance. Au nom de Jésus. Dans ton église, Seigneur. Que l'orgueil disparaisse dans ton église. Que l'orgueil disparaisse. Au nom de Jésus. Que nous soyons soumis à toi, Seigneur. Que nous soyons soumis à toi. Tu dis l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous voulons être des hommes et des femmes obéissants. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons te connaître véritablement. Nous voulons te connaître véritablement. Alléluia. Pierre avait dit, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. À l'instant, Dieu, ton Père l'avait révélé qui tu étais. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous révèles maintenant. Nous voulons avoir la révélation de ta personne. La révélation de ta personne. Ah, oh Seigneur, nous ne voulons pas faire des choses par imitation, par conformisme. Mais nous voulons faire des choses parce que nous avons la révélation. Oh, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, nous voulons te connaître davantage. Nous voulons te connaître davantage. Et kerebashaka. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions que cette année, nous voulons monter davantage. Allez plus haut, Seigneur. Aller plus haut. Nous surpasser. Surpasser nos limites, nos faiblesses. Au nom de Jésus. Kore mayanda raba shekereba. Kore mayaka raba shaka. Donne-nous de monter plus haut, Seigneur, cette année. Afin d'avoir des fruits abondants. Nous allons prier pour monter plus haut. Nous devons monter encore davantage. Nous ne devons pas nous limiter. Oui, de ce que le Seigneur a fait avec nous en 2023 ou de ce que nous voyons maintenant. Mais nous devons aller plus haut pour voir encore davantage, davantage la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Koreba shakaraba. Korobo shenderema. Korema yakaraba. Kore mashakarama, robo senderema karama, korobo sekerema, roko sekerema, roko sakarama, robo sondo, reba karaba. Amène-nous plus haut encore, amène-nous plus haut encore, en plus haut nous voulons monter davantage, nous voulons monter davantage dans l'évangélisation, dans le porte-à-porte, au nom de Jésus, dans la prière, dans les jeûnes, dans la méditation de ta parole, dans l'adoration, au nom de Jésus, dans les œuvres sociales, dans les œuvres sociales, au nom de Jésus, nous voulons encore aller plus haut et faire des exploits, Seigneur. Amène-nous davantage plus haut dans les hauts sommets. Amène-nous davantage plus haut sur la montagne. Nous voulons nous tenir. Sur la montagne, nous voulons nous tenir. Sur la montagne, nous voulons demeurer. Nous voulons demeurer. La Bible dit que Moïse passa 40 jours et 40 nuits en présence de Dieu. Et lorsqu'il descendit, son visage resplendissait de ta gloire au point où le peuple ne pouvait pas regarder son visage. Oh, Koreba Shakaraba. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur. Nous voulons également refléter ta gloire. Refléter ta gloire. Afin qu'au travers de nous, les gens voient Christ. Les gens voient ta gloire. Les gens voient Christ. Oh, donne-nous, Seigneur, un bon témoignage au milieu des inconvertis, au milieu des frères et des sœurs en Christ. Oui, donne-nous d'avoir un bon témoignage dans nos familles, oh, dans nos lieux professionnels, partout où nous nous trouvons, Seigneur. Nous voulons avoir un bon témoignage. Nous voulons impacter. Impacter passe par le bon témoignage. Être des personnes et des hommes, oh Seigneur, comme avait dit Paul à Timothée, soit un homme, soit un modèle en conduite, un modèle en parole, un modèle en charité, un modèle en foi. Oh Seigneur, nous voulons en pureté, un modèle, nous voulons être, Seigneur, ces personnes qui sont exemplaires. Ces personnes qui sont exemplaires.
partout où nous allons, Seigneur. C'est pourquoi nous prions que l'orgueil disparaisse de nos vies. Alléluia. La Bible dit, le connateur dit, tu as gardé le bon vin. Nous allons prier que cette année, nous puissions non seulement recevoir encore davantage le feu du Saint-Esprit, mais nous puissions garder le bon vin, garder la flamme, garder le dépôt, le feu du Saint-Esprit. Ah Seigneur, aide-nous à garder la flamme, à garder la flamme de la prière, à garder la flamme de l'évangélisation, à garder la flamme, ô Seigneur, de la louange, de l'adoration, de la prière et en tout ce que nous faisons. Nous voulons garder le feu allumé. Nous voulons garder le feu allumé. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser distraire par les situations de ce monde, par les événements qui se présentent, mais nous voulons garder le cap, être connecté, Seigneur, être connecté à toi, parce que la Bible dit, c'est en étant attaché à toi que nous aurons des fruits abondants, que nous allons porter de bons fruits. Nous voulons toujours rester connecté à toi, rester attaché à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Donne-nous de garder la flamme allumée, de garder l'onction de la Pentecôte, le feu de la Pentecôte allumé. Nous ne voulons pas nous affaiblir, mais nous voulons que davantage, le feu s'embrase à nous, au nom de Jésus, embrase-nous de ta grâce, embrase-nous de ton onction, embrase-nous, Saint-Esprit, cette année. Nous voulons être comme des renards enflammés, Kore Machakarawa. Sur le champ de bataille, Kore Machandarama, des soldats assoiffés de toi, des soldats assoiffés de ta présence, assoiffés de ton onction. Alléluia. Gloire, honneur et puissance à toi. Gloire, honneur et puissance à toi. Nous ne voulons pas nous affaiblir cette année. Nous ne voulons pas nous affaiblir, mais aller au-delà. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons chaque jour, chaque instant, demeurer dans ta présence. Éloigne-nous des critiques. Éloigne-nous des calomnies. Éloigne-nous du péché. Donne-nous de résister au diable et de fuir loin de l'impudicité. Cette année, de fuir, de nous éloigner des commérages, des œuvres de la chair. Au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, nous approprier le fruit de l'esprit. Au nom de Jésus. Shakaramaya karabashukorobo. Korobo sendere marama shandarama. Roko sekere masaka. Rimarama yakaraba sheke. Kore baraba soko. Kore mayandaraba. Roko senderema. Nous voulons toujours être joyeux parce que le Saint-Esprit rend joyeux. Nous voulons toujours être joyeux, Saint-Esprit. Même quand il y a les problèmes, les difficultés, nous voulons toujours être en joie, être en paix, être en bonne santé dans le nom puissant de Jésus. Korobo shekerema. Korobo shandarama. Gloire à toi, Seigneur. Gloire, nous voulons être toujours meilleurs. Nous voulons atteindre l'excellence cette année. Et atteindre l'excellence. Kore Maya Karaba. Nous voulons nous laisser conduire par toi, Saint-Esprit. Conduis-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de ta présence. Oh, soif de ta présence, ô divin chef de ma foi. J'ai soif de ta présence, ô divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi?
Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Je soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oui, Jésus, chaque heure, j'ai besoin de toi. Ô Saint-Esprit, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Je soif de ta présence. Viens demeurer dans ma vie, parce que sans toi, je ne peux rien. Oui, oh, la joie dans la paix, la joie dans la souffrance, la joie dans les moments difficiles. Procure-moi cette joie. Comme le vin donne la joie, Saint-Esprit, donne-moi la joie qui ne disparaît jamais. Korema Shakaraba. Korema Shakaraba. Oui, Jésus, Seigneur, la joie dans la paix et la souffrance, la joie à jamais. Oh, Saint-Esprit, 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 nous avons besoin de toi. Nous avons soif de ta présence, au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, de celui, celle qui passe par des moments difficiles, par des moments compliqués. Oh Saint-Esprit, fortifie-la, fortifie-le, fortifie chacun d'entre eux. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, fortifie-nous. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Oui, la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Oui, Saint-Esprit, oh, fortifie chacun. Dans sa faiblesse, dans les moments difficiles. Tu vois le désert, oui, par lequel nous sommes en train de traverser. Oh Seigneur, fortifie. Oh, fortifie. Donne-nous de prendre courage. Comme tu as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Oui, ce soir, je te dis, fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est présent dans ta vie. Le Saint-Esprit est là. Il te fortifie. Il te demande de prendre courage. De baisse pas les bras, n'abandonne pas. Kore Mashakaraba. Alléluia. Fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. N'abandonne pas. Oh, Dieu est avec toi. Dieu sait par quoi tu passes. Dieu sait par quoi tu traverses. Ce que tu vis en ce moment, Dieu connaît. Dieu se souvient de toi. Kere Mashaka. Kore Mashaka. Kere Mashakaraba. Tu es au bout de la félicité. Tu es au bout de la gloire. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Comme l'athlète qui court, se sentant fatigué, il continue de courir parce qu'il est proche de la rive, de la ligne d'arrivée. Oh, continue à courir, continue à courir, continue à courir et accélère. Oui, pendant que les athlètes courent, c'est quand ils sont proches de la ligne d'arrivée qu'ils accélèrent, qu'ils mettent les bouchées doubles. Oh, le Saint-Esprit te demande ce soir de mettre les bouchées doubles, d'accélérer, 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 d'accélérer. Accélère, accélère. Oui, la vie chrétienne, c'est une vie d'endurance. C'est une vie d'endurance, de résistance.
Yekereba, ce n'est pas la vie de relais, ce n'est pas la course de relais, mais c'est la course d'endurance. Parce que dans la course de relais, ce n'est pas celui qui commence qui arrive, ce n'est pas lui le deuxième qui attaque qui arrive. Parfois ils sont cinq sur la piste, ils s'échangent de flambeaux. Mais la vie en Christ, ce n'est pas le changement de témoin. La vie en Christ, c'est la résistance, l'endurance. C'est les meilleurs qui arrivent, ceux qui résistent arrivent jusqu'au bout. Et ce soir, mon frère, ma soeur, je te demande, le Saint-Esprit nous demande de ne point abandonner, de ne point baisser les bras, parce qu'il nous connaît. Il est le Dieu qui voit dans le noir une fourmi noire posée sur un caillou noir. Et Dieu sait ce que tu traverses en ce moment. Dieu te voit, il te dit, mon fils, ma fille, prends courage, ne désarme point, prends courage, continue d'avancer, continue d'aller. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Cette année, nous voulons porter des fruits abondants. Mais nous ne voulons pas faire comme les hommes du monde qui fabriquent leurs fruits, qui cherchent les voies et moyens comment obtenir les résultats. Mais nous avons besoin de toi. Et toi, tu nous donnes le chemin. Nous voulons passer par le chemin que tu nous as montré. Nous ne voulons pas dévier, nous ne voulons pas prendre les raccourcis. Mais nous voulons, Seigneur, que tu sois au devant de nous. Ah, Seigneur, Kere Masaka. Moïse dans le désert, oui, a dit, si tu n'es pas au devant de nous, nous ne partirons pas. Oui, nous voulons que tu sois au devant de nous. Nous voulons que tu nous conduises. Ah, la Bible dit, oh, la journée, c'était la colonne, la nuée, la nuit qui le conduisait. Et la nuit, c'était une colonne de feu qui le conduisait la nuit, Cela symbolisait ta présence. Oh, nous voulons ta présence. Nous voulons que tu nous conduises. Ne nous abandonne pas. Alléluia. Dans le désert, tu te révélas à Isaac de s'aimer. Oui, nous te prions que tu te révèles à nous. Que tu te révèles à nous, Seigneur. Tu nous dises qu'est-ce que nous devons faire. Quelles sont les stratégies à mettre en place. Oh, pour évangéliser. Oui, dans nos lieux, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entreprises. Oh, donne-nous les stratégies. Koreba Shakaraba. À toi soit la gloire, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Je prie pour mon frère, ma sœur, qui est en ligne et qui me regarde maintenant, ce soir. Je prie que ta main soit posée sur eux ce soir. Oui, comme ta main avait saisi Élie qui avait dépassé, oui, le char d'Akab. La Bible dit que Élie a prié cette fois. Et lorsque il a vu une main semblable à la main de Dieu, où la pluie était prête à tomber, la Bible dit, et pourtant Akab avait déjà démarré son char, mais la Bible dit, la main de Dieu saisit Élie. Élie coura et dépassa le char d'Akab. Oh, que ta main soit sur tes enfants ce soir, afin que nous puissions dépasser nos ennemis. Nous puissions non seulement dépasser nos limites, mais nous puissions également dépasser nos ennemis, dépasser nos semblables. Parce que ce n'est pas un homme qui nous conduit, mais c'est toi qui nous conduis. Qui nous conduit vers la gloire, qui nous conduit vers le bonheur, qui nous conduit vers la destinée prophétique. Oh, Saint-Esprit de Dieu, saisis-nous et conduis chacun d'entre nous. Alléluia. Que ton manteau soit sur nous. Le manteau de l'Évangile.
Oh, la double portion, le manteau de l'évangile. Nous ne voulons plus avoir des réunions stériles. Nous voulons avoir des réunions où tu manifestes ta gloire, où tu manifestes ta puissance, où tu manifestes ton onction, où les vies sont transformées, comme Jésus a transformé l'eau en vin. Oui, Seigneur, transforme les vies, transforme nos vies, transforme nos vies, transforme nos vies, transforme nos vies, au nom de Jésus. Transforme les vies, les cœurs incrédules, transforme les cœurs incrédules, oh, transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair, au nom de Jésus. Une transformation totale et complète de nos vies, oh Seigneur. Nous ne voulons plus, durant cette année, être les mêmes qu'en 2023. Nous voulons être d'autres personnes parce qu'il y a d'autres défis à relever cette année. Ondoroko sakaraba, reba sondoroko, kerema sakaraba, ondoroko saka. Ce soir, transforme ma soeur, transforme mon frère, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Façonne chacun d'entre nous, façonne chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Pendant que tu es dans le désert, ne te plains pas, parce que c'est là où Dieu te transforme. C'est là où Dieu te façonne. Oh, c'est là où Dieu te façonne. Dieu a pris Moïse de l'Égypte, de là où il était dans la maison de Pharaon, et l'a amené chez Madian, à Madian chez Jéthro, où il a été transformé. Parce que le Moïse qui était là ne pouvait pas conduire le peuple à l'état. Il a fallu que Dieu l'amène dans un endroit où il devait être façonné. Ses mentalités devaient être changées, afin qu'il puisse être le leader qui devait conduire le peuple de Dieu au désert, à la terre promise. Et Dieu veut t'amener à une autre dimension. Et là, il est en train de te façonner dans la situation par laquelle tu traverses. N'abandonne pas le désert. Ne désarme pas, continue, persévère. Koreba Shakaraba. Le même Moïse, c'est celui dont la Bible dit il était le plus patient de la terre. Or, toi et moi, quand nous lisons la Bible, nous voyons que Moïse était nerveux, était belliqueux. Il était nerveux. Il n'était pas patient. Mais la Bible dit il était l'homme le plus patient de la terre. En réalité, c'est Dieu qui l'avait façonné. Il passait plus du temps dans la présence de Dieu. Et Dieu profitait à le façonner. Et Dieu veut que nous puissions passer du temps dans sa présence afin qu'il nous façonne davantage. Afin d'être à son image et à sa ressemblance. Koreba yakaraba shakarama. Roko shekerema. Korema shakarama. Accepte l'instruction de Dieu. Accepte l'école de Dieu. Dieu te façonne. Dieu te façonne pour te donner la forme qui te plaît, qui plaise à Dieu. La forme qui plaise à Dieu pour être à son service. Oh Seigneur. Korema shakarama. Gloire à toi, Seigneur. Prends nos vies, Seigneur. Prends nos vies, Seigneur. Prends mon corps, prends mon âme. Prends mon esprit, règne sur mon cœur. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous sommes les personnes que Dieu a choisies. Nous sommes des personnes que Dieu a choisies. Nous sommes des personnes que Dieu a choisies. Et il veut nous utiliser. Comme il a utilisé Moïse, il veut nous utiliser. Il veut nous utiliser. Et nous devons laisser le Saint-Esprit nous façonner. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous façonner. Nous façonner afin qu'il nous utilise. Il ne peut pas nous utiliser à l'état où nous sommes, à l'état primitif. Comme le forgeron donne la forme à la matière, Jésus et le Saint-Esprit veulent nous donner la forme.
une bonne forme, parce que là où nous sommes informes et vides, comme la terre était informe et vide, nous sommes informes et vides, et Dieu veut nous donner la forme et nous remplir, le Saint-Esprit nous donne la forme qui sied et nous remplir davantage. Merci Seigneur. Je viens ce soir te bénir, te rendre toute la gloire, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est toi qui es présent dans nos vies. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps consacré à toi. Oui, nous sommes là, Seigneur. Et nous avons passé du temps dans ta présence. C'est pourquoi ce soir, je veux nous recommander dans ta présence. Je veux te bénir pour le temps que tu as permis, que la disponibilité que tu as donnée à chacun d'entre nous de nous tenir dans ta présence. Nous venons te bénir, te louer, te rendre toute ta gloire. Nous venons nous recommander à ta grâce. Nous te prions, Seigneur, que toi seul, tu nous gardes tout au long de cette nuit. Que tu nous gardes, que tu nous protèges contre toute œuvre des ténèbres. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a planifié soit déplanifié maintenant. Dans le nom de Jésus, que toute incantation soit nulle et sans effet. Dans le nom de Jésus, nos vies sont entre tes sûres mains. Nos vies sont entre tes sûres mains. Au nom de Jésus, tu prends soin de nous. Tu prends soin de nos familles. Au nom de Jésus, béni sois-tu. Afin que nous puissions passer une bonne et agréable nuit dans ta présence et voir le lever du jour en bonne santé. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent, toi qui vis et qui règnes à jamais. Au nom de Jésus, amen. Bonne nuit.